Nous sommes à ce moment-ci chez M. Léonard Fortin à Capozzo et nous interrogeons M. Louis Fortin qui a 95 ans. M. Fortin, avez-vous 95 fêtes là? J'ai eu 11 septembre. Avez-vous fêté ça un petit peu? Un petit peu là-bas, on était là-bas, c'est les autres qui ont fêté ça. Vous étiez à Gaspé ce temps-là? C'est pas Gaspé, c'est au foyer national. Ben oui, ah, ouais. Ah, ouais, mon une grosse rose. Puis là, ils m'ont fait un gros gâteau. Ouais. Ah, oui, c'est pas lui. Il a été gentil pour vous. Mais, vous avez décidé de revenir rester à Capozzo. Oui, oui, mais quand j'ai rentré là, j'étais décidé, il m'avait offert de venir ici, mais la maison n'était pas finie, elle n'était pas prête. Mm. Voyez-vous, là, la maison n'est pas finie encore. Il a fait quoi, moi, j'ai rentré, j'étais bien content, je travaillais, j'étais dans un avec là, j'ai pu voir, parce que, hein, donc c'est bien. Et vous pouvez travailler même à votre âge? Ah, je travaille un peu, oui. Peux-tu fermer le couvercle un petit peu? Oh oui, je t'entends. Je sens du bois, quand c'est du bois, facilement. Je ne me gagne pas. Vous êtes né à Capozzo, vous? Je suis né à Capozzo. Ben, vous voulez savoir ça, la vieille génération? Ben oui, allez-y. C'est comme ça que j'ai parlé un peu. Après ça, ben, c'est ça. Puis l'autre, c'était pareil. Ils veulent savoir ça. Ben moi, mes parents, mon père venait du Cap-Saint-Ignace. Mm-hmm. Puis ma mère venait des Illinois. Vous savez où est-ce que c'est, les Illinois? Aux États-Unis? Oui, c'est loin, ça. Ah, c'était une Américaine? Ben, elle était née, là. Ouais. Elle parle anglais. Elle parle pas anglais, moi, oui. Non. Elle est partie pour là, on va vous dire pour quelle raison, qu'elle nous a dit qu'elle est partie, de là. Vous avez déjà entendu cette mère, vous l'avez pas connue, vous avez entendu le curé Chiniki? Oui, oui, oui. Bon, ben, ils sont partis pour l'amour de ça. Mm-hmm. Le curé Chiniki, vous savez? Là, pour la tempérance, là, c'est ça. Il a abandonné sa religion. Quand il est là, il ne voit pas l'école, il est quotidien qu'il y a une petite paroisse là. Puis il n'y avait pas d'école, puis il n'y avait pas des livres, il a fermé tout. Ben voyons ce qu'elles nous ont dit, là. Ben, c'est ma mère qui vient de là. Puis son grand-père, j'ai connu son grand-père un peu, pas beaucoup. Ouais. C'était quoi son nom de fille, votre mère? Odinos Bernier. Ah, oui. Odinos Bernier, son père s'appelait Léon Bernier. Mm. Puis vous savez, dans ce temps-là, là, ben, c'est pareil comme... Quand il n'y avait pas de place en tout, là, avec les Canadiens, là, ils les exportaient ailleurs, vous savez? Mm-hmm. Je peux vous dire des immigrés. Il avait gagné le vie là-bas. Ben, ils les envoyaient ailleurs. Mm-hmm. Puis là, ils ont envoyé à Gaspé, ça. Mon père, ils ont envoyé à Gaspé, ça. Mm-hmm. Mon grand-père, Léon Barnier. Ben, qui est venu s'installer ici? Il est venu s'installer sur Capozzo, là, c'est pas bien loin d'ici. Ouais. C'est vieux, ça, moi, je l'ai connu, mais j'étais tout petit, lui et elle. Mm-hmm. Je lui contais ça l'autre jour, là, parce qu'elle avait besoin d'une mousse de chapeau de paille, pour le thé. Ça, ça va bien, vous savez. Mm-hmm. Puis mon père est venu du Cap, c'est signal. Mm-hmm. Son père est mort, puis sa mère est morte, et puis il y avait une grande famille. Puis c'est un de mes oncles, Alfred, qui s'appelait Fortin. Mm-hmm. Puis du Cap, c'est signal, c'est les oncles, vous voyez, et c'est la Gaspé encore. Il y avait une grosse compagnie, c'est parti pour l'amour dans ce temps-là. Mmh, oui. C'était les Farwin. Oui, oui. C'est ça que je voulais savoir. Là. C'était les Robin Jones et les Farwin. Mais il y en avait deux, les Robin Jones. Mais les Farwin de la plus chance aux gens qui envoyaient par ici qu'à les autres. Ils avaient acheté toutes ces autres terres-là, que je m'en savais, dans ce gouvernement, hein, de 100 piastres pour une autre terre. Mmh. Bon, il y a par exemple de la Z, vous savez, là, Mais c'est là qui a resté mon père, moi, en premier lieu. Ah, oh, dans le bout du Cap d'Avieille. Oui, dans celle-là. Mm. Lui qui est plus jeune, le vieux de mon Alfred, il faisait vivre toute la famille, là. Vous savez, là? Puis après ça, les garçons, ben, la compagnie, ils nous ont vendu. Ils ont vendu tous les morceaux de terre. Partout, dans le bout de la vieille, jusqu'à ce temps. C'était cette compagnie-là. Parce qu'ils savaient, c'est des gars qui cherchent à plus à la pêche, là. Vous savez, vous chupez le poisson en Europe, oui. Et là, là. Et où les arrangements, c'était les bourrins de pêche, ça, il y avait d'abord tout le monde, c'est, hein. Ils profitaient ça. Et pour avoir des pêcheurs, ben, ils nous vendaient des morceaux de terre, et ils avaient une bonne chance pour les payer. Puis le monde est sûr qu'on va se tout en partie comme ça. Mm. C'est ma connaissance, moi. Oui. Qu'est-ce que pas? Ailleurs, il n'y avait pas de moulin, dans ce temps-là, il n'y avait rien, il y avait un sa pêche. C'était la pêche qui vous faisait c'était rire. La pêche.
Et puis là, c'est quand la se maria, puis là, il fallait dire mon souhaitait, puis des maisons. C'est pas de raison qu'on a ça, il boit de ça, là, ça, là. Une maison, boron, puis j'aime ça, tout. Ah oui. Il voyait bien, il ont dit. Vous avez connu ça, vous? J'ai connu ça, c'est bon ça. Dis-moi donc, quand votre père est venu, là, y avait-il d'autres fortins, ou que, comment, y a, parce qu'il y a beaucoup de fortins ici à Capouge. Ah oui, c'était tout de sa famille, là. Ah, était tout en, ils sont venus plusieurs ensemble? Ben oui, ouais. Il était, oh mon Dieu, il était 8 garçons. Les garçons, tous, mon père et les autres, les garçons. Et puis ça a fait souche pour les fortins d'ici. Oui, il y en a seulement deux dans toute la famille qui sont pas mariés. Ils n'ont pas augmenté la génération. Ouais. Ça n'a pas produit beaucoup. Il y en a un qui était Gouc, là. À Talon, ce qu'il appelait. Il y avait mon oncle Georges, qui est Saint-Marie. Et puis les autres sont tous mariés. Il y en a un ici, par contre, qui est aveugle, là. Son père s'appelait Olivier. Et puis tous les autres. De votre famille à vous, êtes-vous le seul encore en vie? Oui. Ah bon. Ouais. Ben, non, ben, dans ma famille, on a encore un, ce que vous avez dit, le Fierre. Le Fierre, ah. C'est ah, c'est votre frère. C'est mon frère, ça. C'est frère, je suis. Dis-moi donc, vous parlez des farouins, là, dans ce temps-là. Comment ils vous donnaient pour la morue? Ça payait-il? 5 piastres du quintal pour la première classe. Puis un quintal, c'était 500 livres? 100 livres? 102 livres. Puis les vieux, qui collent à ça, vous savez, là. C'était le bachelette. Un vieux qui venait d'Europe. Putain, un vieux qui avait fait son étude. Il prenait le pouce, ça va, puis il pliait. Comment quand il est dur comme le fer, il dit quand c'est moelle. Ben, là, il mettait le sel. Il mettait le salive, là. Elle est moelle. Comment quand il est dur du fer? On avait l'expérience, puis qu'on pouvait dire, on oubliait, le vendait. Et puis, quand il y avait une petite brassée, puis de la balance, hein, il a gardé une petite brassée, là. Ben, à l'époque, ça fait le jeu, ben, un petit peu encore. Il dit, non, bien, non, il faut quand. Voilà. Ah, c'était le manière. Ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Vous n'aviez pas un mot à dire, vous? Non. Alors, moi, j'ai parlé quand j'étais en âge, que j'ai travaillé pour les autres. J'ai parlé. Je suis une fois avec les autres. J'ai gagné mon point de vue comme il faut. Ouais. Sur les yeux, hein. Bon. Tout ce qu'il y avait, par exemple, on va dire qu'il n'était pas inquiet pour les autres, parce que comme il y a même qui faisait un petit, c'était là. Qui n'avait pas pris beaucoup de morue, vous savez, là. Mm. Et puis, rendu à l'hôtel, ben, il s'en vient pas. Il ne refusait rien à manger. Viens cuit 4 quarts de farine, viens cuit 5 quarts de farine, viens cuit 5 gallons de mer, 5 que tu voudras. J'ai marqué là, ce petit gars, nous. J'ai vu mon père, là. Il s'en allait là, quand il voit, ouais, un bœuf, il voit, il n'y avait pas beaucoup d'argent des bœufs, puis il montait chargé pour mon hiver. C'est bon pour ça, voilà. Ben, le client, il était là, c'est le client, c'est ce que j'ai dit. Il fallait payer l'année suivante. Hein, d'ailleurs, ben, où tu payes. C'était l'heureux qui ont fait, nos vieux, ça. Mais le Farouin, il y avait un magasin à ce moment-là pour vous fournir les... Oui, oui, ah oui, il y avait un marché. Il y avait deux grosses goulettes. Il y avait deux trois grosses goulettes. Dans ce là il n'y avait pas chemin à faire. Il fallait qu'il charriait la nourriture pour l'hiver, mais il fallait qu'il charriait en été. C'était des grosses goulettes qui charriaient ça. Mais il fallait qu'il en avait assez pour nous garder à manger jusqu'au printemps. Jusqu'au temps que la fion. Oh! Il y en avait assez pareil. Puis c'est des grosses panneries, je savais, qui dit l'Europe, là. Mais il devait y avoir des gens qui étaient en dette tout le temps de levier avec ça? Ah, presque. Presque, oui, ça. Avez-vous eu connaissance, en pense à 1910, il y avait eu une révolte à Rivière-au-Nord? Oui, oui, monsieur, oui, j'ai eu bien connaissance. Qu'est-ce qui s'était passé, là? Ah, ben, c'est pour la moukouche, pour la mouritaire. Ouais. C'est elle-même, les plus forts, les trucs de ça, de la Rivière-au-Nord, qui s'en fait ça. C'est passé, il va vous l'expliquer, moi, c'est ça, jusqu'à l'Église. L'affaire de la morue, là, c'était pareil. Il arriva en guette parce qu'il était tout sa l'air sur la morue. Tu sais? Il prenait, il fallait qu'il avait trouvé. Il disait à Saint-Pierre du Quintal, mais vous arrivez là avec une dizaine de quintaux de morue, vous montez en faire un. Un quintal, on va dire, le numéro 1. Le restant, c'est numéro 3, puis numéro 2, numéro 1. Ouais. Ça ne marcha pas. Quand ils ont vu ça, ils ont engagé un gars de la Rivière Nord, hein? Puis ils l'ont envoyé à Halifax pour avoir une goulette traiteuse. Là, qui achetait le morue là. Elle est venue, la goulette là. Allez-y. Puis on commence à envoyer la voix. Ils donnaient lui 5 piastres du quintal, nous autres. Votre colle. Payez tout de suite. Parce qu'il y avait que ses compagnons savaient comment ils nous revenaient un peu d'argent, mais quelqu'un, on va dire misère à la voix. Il y avait pour lui dire, il faut envoyer notre morue en Europe. Il faut avoir de l'argent rien que l'année prochaine. Quand il s'en a le temps de manger. Comprenez? Là, la goulette. Les autres, c'est les Romains jaunes.
C'est Robin Jones, ça. De Gaspé, là. Oui, oui. Qui vendait, là, qui était propriétaire, là, qui vendait la morue, là. Ils ont fait un arrangement avec, dans la nièce, que la voyette, dans la taille, il l'a récupéré. Elle était partie. Elle était partie. Ils l'ont été, puis ils l'ont acheté la goulette, le capitaine de la goulette, puis l'ont envoyé. Vraiment, c'est quand les gars d'Argeron, c'est pas des gars, les Allemands, c'est pas des... C'est pas des enfants d'école? Non, c'est pas des enfants d'école, puis c'est... quand j'ai vu ça, il y avait la mère Corel, qui restait dans l'Argeron. Il fallait qu'il s'en allait à Gaspé pour voir les Romains. Il avait payé pour envoyer la goulette. Il a enchaîné la jument. Ah oui, on se met à jouer, ben, ça c'est après longtemps. Ça. Mm-hmm. Ah, puis on y a fait le massacre, ils ont battu plusieurs. Ah oui. Et c'est comme ça, on fait ça, puis ils ont mis en prison. Ah, il a fait la prison? Ben oui. Oh. Ils ont pas de café des poignets. Il y en a un qui est venu pour moi, ils m'ont réclamé passer au rêve, là-dedans. Là. C'est du bon monde, c'est le vin. Ouais. Et quand on s'est décidé que ça soit quatre des autres, là, quand on lui a poigné à sa maison, là, il a dit à sa femme, c'est des gros poids, c'est un carré comme avant, là, puis il a passé avec des fers. Il dit, regarde, puis c'est s'habiller, il a dit, il y avait deux poids de là. Il a dit, ben je vais faire chez la table. Il n'a pas pris qu'à ça, il peut dire. Il a fait sa main, sonné par la loi, il a gâté les deux fers, il a sonné les deux poids. Voilà. Puis il a sauté la banque, puis là. Ils ont pris ça avec le poignet, là. Mais s'il l'a pogné, c'est l'armée, la petite armée. C'est la petite. Le petit Canada, rappelez-vous que j'ai entendu parler qu'il y avait une petite goélette, une frégate, qui appelait le petit Canada. Justement, oui. C'est lui qui a rentré dans la baie avec la Home Guard là, dans sa haut, qu'on appelle la Home Guard. Là, puis on se voit, vous savez oui, ça? Oui, oui. Parce qu'il a fait un autre nom pour ça. Là. La gendarmerie. La gendarmerie royale, bon, lui, ça, ça va. Ils ont vu qu'ils ont pogné comme ça. Vous voulez savoir un peu. De ce besoin-là, ils ont mis à venir. Non, c'est comme ça. Mm-hmm. Ils sont arrivés là, puis le capitaine, il a parlé, lui, dans le gros au parleur, vous savez, là. Il a dit, appelez tous les coupables qui avaient fait la révolte de venir là, qui ne fera pas de mal. Non, il ne fera pas de mal en tout. Il ferait mieux parce qu'ils ont dit ça, l'armée va débarquer, puis on va tous vous tuer. Mais ils ont tout. Ils sont tous venus, le grand argent, les vieux ont tous venus, tous du nord, mais ils ont fait faire que pour être pris, là. Mais pas après. Non, 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 c'est bon pour eux autres. L'Aléna Sud, par exemple, et Romagnon, il a fallu qu'il fasse attention pour la morue. C'est ce qu'il dit là, puis il voulait avoir la morue, il pêchait, c'est vrai. Il dit, voilà. Bon. On peut dire, on peut dire autrement, c'est vrai. T'as vu pour rien. Et. Les Hyman avaient un magasin. Hyman et tout, c'est aux côtés de. Moi, j'ai pêché sur le rang des Ferwin. Mais j'ai commencé à 11 ans à pêcher. T'es jeune, mais pas long, hein. Moi, j'ai envie de la barre avec de faire faire. C'est pas vieux, mon père. J'ai pêché là, puis Hyman, c'est aux côtés. Les autres, ils ont envoyé quand j'ai fait banqueroute. Ouais. Et puis, ça, c'était la petite pêche côtière. Oui, la petite pêche côtière. Aviez-vous des moteurs là, sur vos petits bateaux, sur vos. On n'avait pas dans ce temps-là. À la rampe. Tout à la rampe. Après ça, ben, j'ai grandi. Un bon pêcheur pouvait rapporter combien de livres par jour, là, mettons? Ah, oh, ben ça, oh, il y avait du poisson dans ça, là, ça. Ouais. Vous prenez ça, ben, nous, dans ça, on l'a fait chasser. On ne vendait pas comme ça, on l'a fait chasser. Ouais. Chasser, ça. 112 livres pour un quintal, ça en prenait pas mal. Mais ben, les journées qu'on prenait 2-3 quintaux, par exemple. Les petites barres sont rentrées chargées. Dans les bonnes journées. Dans les bonnes journées. Ouais. Et puis on ne payait pas, vous savez, les enfants, par exemple, qu'on payait ça. Non. Par une paire de culottes, là, ça pouvait coûter. Ah, oh, bon Dieu Seigneur. C'est la bagasse qu'on t'a fait. Est-ce que c'est ça qui est plus cher? Oui, hein? C'est que ça. Il vient qui a fait ça, là. On a ça au chocolat. Là, on a eu aussi des rimes, hein? Ouais. Ah. Vous prenez encore la farine, encore de la bonne farine pour, deux, pour quatre personnes, hein? C'est pas cher. Un gallon de nage, au commencement, ça va se faire. On voulait. Vous pouviez accrocher les deux bouts. Accrocher les deux bouts, puis moi, voyez-vous, j'ai vu ça là, depuis mon enfance, depuis des années, ça. Hein? J'avais 11 ans, comme 11 ans. 11 à 12 ans, quand j'ai pris connaissance comme il faut, comment ça marchait. C'est assez mieux que savoir comment ça marchait. Mm-hmm. Lui roule, les orzales, là, je ne l'ai jamais aimé. Yeah. Je les ai dit tous les autres. Mm-hmm. Puis quand j'étais capable, les murs, c'est de me défendre,
Et je me suis défendu avec eux. Mais un gars, es-tu capable de se défendre avec eux autres? Ben, des fois, quand on est dessus. Quand ça a pris le dessus après ça, là, ouais. Quand les vieux ont commencé à prendre le dessus un peu, là, c'est venu qu'ils ont dû échanger de route. Ben, ils ont fait de l'encrousse, par exemple. Ouais, il y a 10-15 ans qu'ils ont fini par tout lâcher, là. Ouais, ils étaient de l'encrousse, c'est un deux allemands qui les a volés. C'est pas le pauvre monde qui les a volés. Mm-hmm. Non, c'est un deux allemands, Brown. Ah. C'est Brown. Il appelait Brown, là. Mm-hmm. Son garçon était à la guerre. Il s'est fait tuer la guerre, la première guerre, là. Mm-hmm. C'est lui. Il a passé l'hiver après ça, dire à la compagnie d'Europe qu'il partait à Moulin, puis qu'il avait besoin du bois par là, le bois était rare, des merveillés, puis de la planche avant, puis après, il a gardé à Moulin dans ce maison là. C'est là qu'il y avait son moulin, dans pas dans ce maison là. Il a chargé. Au départ d'avant, il y avait d'avant un genre. Puis il a chargé le bateau, puis il a tout chargé. Puis quand il est parti, moi, là, dans ça, là, j'étais marié à cela. Puis il a pris tout l'argent que j'avais à vendre. Puis il y avait une autre place aussi, là, des gros commerces comme ça, je me rappelle pas ce que c'est là. C'est pas en bas, là, dans les chaleurs, je crois. Parce que bien, justement. Il a pris tout l'argent que j'avais là, puis il a fait vendre son bateau de bois. À d'autres là où il est, vous savez, en Europe, il l'a envoyé à une autre place, il a tout vendu, puis il a sacré son. Si on s'est arrivé là, quand il est là, oui, il en sera pêché pour les autres. Ouais. Je sais. En fait, c'est comme un pêché. Alors, ils ont fait de banqueroute, ils ont tout vendu à eux-mêmes. À eux-mêmes, ils ont racheté ça, là. Mm-hmm. En soi, on continue à pêcher pour eux-mêmes. Ah, c'est eux-mêmes qui est devenu votre patron. Attention. Mais pour la pêche, ça se faisait à la ligne, surtout. Ça se faisait à la ligne, à la ligne. Ouais. Puis là, il y avait le séchage, à part de ça, les foies, est-ce que vous vous souvenez des foies de morue? Ah oui. Qu'est-ce qu'il se faisait avec ça, là? Il faisait d'huile, puis il mettait ça encore, puis... après ça, ben, on sort des autres, après ça, j'ai mis ça purée, puis il avait la purée, puis go, puis mon seigneur, puis tout ça, là, ils ont mis en face de nous faire une coopérative. Dans ce temps-là, moi, j'étais marié, mon frère s'est marié, on s'est dit, on a organisé une coopérative, mais ça n'a pas marché. Non. Pas marché. Les gars qui étaient à la tête de ça, ils ont plus instruits, puis les plus instruits, c'était les grands commis qui l'accompagnaient. Ah. Là. Johnny Mesurier, j'avais entendu parler de Johnny Mesurier. Parce que lui qui était à la tête. C'est plus voleur du tout. Quand même, je dis que c'est un voleur, c'est pas péché. Il nous a volé à ses moussons. Après ça, ben, moi, de faire peur, a commencé. Moi, j'ai parti pour aller à Ontario. J'avais 12 ans, 13 ans. C'est pas gros, vous savez. C'est pas gros, là. Mais c'est pas gros, là, frère. C'est ça. Pour aller gagner un peu d'argent. Oui, pour gagner un peu d'argent, pour essayer à donner à mes parents de l'argent. Parce que, moi et mon frère, un de mes frères, ils voulaient, les autres, pour le mourir, c'est pire le mourir, vous savez, là. En Europe, là, il fallait qu'ils mettent ça, il y a pas ça des tubes. C'est des beaucoup, vous savez, c'est plein qui attaquent. Il fallait faire ça, il fallait essayer la planche à tour de bras. Puis se faire mourir. Puis ben, mon père ne voulait pas. Et je vous ai amené aux ambulants. Pour, si j'ai premier, chez une d'Albert, il donnait 100 sous, 30 piastres 100 sous. Il fallait travailler du matin au soir pour l'enfer. Saint-Martin, je me disais, oh, il est vieux, hein. Vous touchez d'arracher du bois. Cette année-là, j'ai dit, on m'en va. Mais les gars, à Ontario, là. 26 piastres par mois. Pour ménager, si on voulait en serrer. Il fallait payer votre pension? Ah non, on paye votre pension. Non, il était... T'as rien de faire, ça. Beau temps me chantant, ça. Voilà. Mais monsieur, moi je suis la grosse pipe à cholestérol. Mais on paye 20 cents pour une grosse pipe de tabac. Hein? Mm. Elle est pas gros. Puis tout. La femme, quand je partais, elle me délégait ton gros de la sorgène. Pour que moi j'ai ses mitaines. Bon, ben, c'est pauvre. On a trouvé des mitaines, on n'avait pas dû acheter des mitaines neuves. Mmh. Puis d'un camp, on faisait 6 sur moi. Là, j'ai fait 6 sur moi la première année. C'était dans le bois, ça? Dans le bois. Comme bûcheron. Bûcher dans le pain, pas de gros pain, là. Mmh. Les premières années, ben, c'est un peu jeune. On travaillait grand-chose. Tous les mois, j'ai envoyé 10 piastres à mon père. Tous les mois. Manqué pour un mois. Un 10 piastres, là, monsieur, arrivé là, ça valait 100 piastres, ça. Hein? Oh oui.
Parce qu'au prix, c'est payant. Au prix, c'est payant la farine, mais payant la nasse. Là, c'est un accord de farine, c'est eux qui allaient voir. Quand tu recevais un 10 piastres, il commençait à indépendant un peu. Mmh. Oh. L'année ensuite, il a remonté en cours, les gars ont monté. Ben, dans ce là vous savez, c'était 21 ans qu'on était en âge. Mais j'ai donné à mon père qu'à 21 ans. Dans ce là il n'était pas riche, il n'avait pas besoin des machins. Le petit père, puis on va aller au chantier, on lui a envoyé son argent. Mmh. Où il travaillait 3 ans, là, dans le tourlion. Après, on l'a abandonné, puis après ça, avant que j'ai descendu tout le monde, vous m'avez arrêté, non? J'étais où c'est ça? New York, New York State, là. Ah, ben oui. Travaillais dans le bois, pareil. Encore vous là, là-bas, les gars, j'étais rendu à 40 piastres par mois, là. Puis il fallait travailler fort, 40 piastres, en Ontario. Là-bas, on travaillait pour des jobbers, on avait 75 piastres par mois. C'était d'argent? 75 piastres par mois, vous savez, j'en gardais pas pour moi. Rien qu'un peu de chance à Montréal, comme sur une tienne ou dans les gros chaleurs, vous savez. C'est tout. Ah ouais, puis envoyer de l'argent, ben, il n'est pas mieux riche, mais il s'en fait pas de l'autre. Ouais. Voilà. Mais y avait-il beaucoup des jeunes d'ici de Capojo qui... Ah oui, plus cher. Ouais. Mais c'était pas tout qui envoyait de l'argent. Pas à plein. Il y en avait, sans me vanter, mais il y en avait quelqu'un. Il y en avait deux, là, quelqu'un, il y en avait deux, là. Quelqu'un, mais pas à plein. Mais moi, mais ça j'en ai plus ça. Mais... C'est un homme de cœur. Quasiment, non, mais voyant qu'il pourrait faire mieux avec la morue, vous savez, il pourrait donner, me semble, plus de chance, vous savez, puis il donne pas. Mais quand j'ai été arrivé, par exemple, en âge, j'étais pêché là, je me suis pris. Oui, je me suis pris. Là, mon père m'a dit, ben, j'aurais dû avoir 21 ans, le 11 septembre, puis dans le printemps, quand j'ai descendu, là, pour tout le monde, j'avais fait un peu d'argent. Je lui ai envoyé de l'argent chez moi, pour ça je voulais de l'argent. Elle dit non, il dit toi c'est mon âge, je suis mal à donner assez, pas pour soi. J'ai acheté une grande barque, puis j'ai pêché pour les autres encore. Là, ouais. Là, il avait changé le programme, les autres. Ils nous achetaient notre moule aux autres mêmes. Mais moyennant, qu'on vendait à d'autres. Mais moi j'avais de l'argent, c'est pas fait de crédit, pas tout. On fait de crédit. J'avais M. Dalbel, qui était le boss d'Europe, M. Bachelet, et puis Freddy Dalbel, et comme il a. J'étais pour pêcher, mais il savait que je... Parce que là, vous savez, quand on pêchait pour le farouin, il nous fournissait à tout. Mm-hmm. Le barbe, les raies, un gochrome, donc on l'appelle le bassin de Montréal, tout ça, puis il chargeait 25 piastres. Pour tout ça. Pour tout ça. Puis moi, j'ai pêché un canané. Une année avec moi de faire perdre dans le vieux de la barge. J'ai embarqué avec un de mes voulures. J'avais 12 ans. Parce que j'étais chanceux. Et surtout, bon, il y avait de bon chemin. J'étais chanceux à la pêche. J'étais à vieux barge. Mon père n'a pas payé 25 piastres. L'année ensuite, j'ai pêché le monde de faire perdre encore. J'étais à meilleur barge. L'année ensuite, j'ai pêché le monde de faire perdre. J'étais encore à meilleur barge. Vous demandez tout ce que vous voulez faire. Vous vous dites pareil. C'est le champion. Champion. La barque, tout. Là, après ça, j'avais eu une grande barque. Mais quand j'ai voulu, il a dit, on va vous faire ce qui est vous le mieux. Si vous avez voulu, on va aller, puis vous allez vous vendre la moule. Mais là, j'ai pensé, c'est un point de fric, là. Mon frère qui pêche avec moi, là, il n'y a pas longtemps qu'il est mort, là. Mais son garçon, je lui ai dit, il s'en rappelle là. Je rentre chez la fille, on dit, on veut savoir pêcher. On veut la moule. Vous savez ça. Les autres. Vous chipez le moule en Europe, vous savez, il envoyait deux bateaux, la salle qui le soit vrai. Un gros là, bateau là, à 2 mois, puis à 3 mois. Il changera ça. Mm-hmm. Il fallait. Alors, ça prenait le moule, je ferais ça. Mais il y avait un rat au Cap de Rosier, puis un rat à l'Argument. Ça faisait là, on a noué bon. Mais j'ai dit, monsieur Dalbel, on va pêcher pour vous. Pour vous, vous allez me donner, et savez, une affaire, je voulais vous parler. Puis là, vous me donnez même plus que je peux avoir ailleurs, là. Pourquoi? Ils ont la coutume de faire ça. J'ai dit non. Non, non. Et des fois, j'ai dit, on est un petit peu meilleur que les autres. Les autres, ils disent, voilà, mais j'ai dit, vous l'avez ramené assez mal. Ils disent, oh, ben, j'ai dit, c'est du temps, hein. Ils disent, puis ça va, quoi? T'es instruit, hein. Mais, bon, mais ça va. Parce qu'il pêchait, il m'a fait un gros été. On pêchait bien fort, quoi.
Rendu au 15 août, là, c'était le temps de faire chasser la boule. Là. On avait au-dessus de 120 qui sur le mot de la terre. Alors, on avait pêché fort. Alors, on s'en va, puis il dit un jour, « Ah, ben, mon Louis, c'est le temps de sortir sa mouche à la grave, là. Vous n'avez pas été là-bas, en grave, vous n'avez pas été là-bas. » Oui, il y a déjà. Ça, il y a sortir la boule pour la pêcher. J'ai dit, « C'est correct, monsieur la belle, c'est le cas grave. Comment je vais vous payer ?»« Ben, comme d'habitude. » J'ai dit, « Non, comme d'habitude, c'est pas pour moi. » Me font un prix fixe, puis de l'argent, pas du crédit. J'ai pas fait de crédit, moi, J'ai descendu au café, l'argent de savoir, puis j'ai tout ce que j'ai acheté ici, je voulais payer l'argent. Puis j'ai dit, maman, je veux de l'argent. Mais mon sauterre qui était ici, là, je l'ai pas sûr, j'ai vendu pas bien loin de ici, là, ma terre, là. J'ai payé ça. Et toi, on a payé ça 30 piastres, ils m'ont vendu ça 120 piastres. Ils n'ont pas fait de dette, quoi. Ah. Ben, j'ai dit, il y a une boîte de mouillard du restaurant, là. Une traîneuse, il vient d'aller faire ça. C'est la même histoire qu'il y a à la Gara. Puis je savais, je connaissais ça, c'était un Canadien. C'était un Canadien qui vendait la boule là. Mm. Puis c'est ça qui payait, ça. 5 piastres du quintal, puis pas de colle. Comment qu'elle était molle. J'ai dit non, pas ça, demain, si. J'ai fait le dérangement à Dieu, mais il dit ce que tu vas aller pour Dieu. Puis je suis arrivé même voisin, il donne le même prix de moi, c'est le même route. J'ai dit, pas toi, monsieur Lapelle. Prends ma barre, je disais, oui, là, ça va, tu travailles l'autre bord, puis il y a votre tour de secrétaire. Il disait, c'est monsieur Ben, j'ai dit, là, j'en ai qu'à peu près 60 pièces à 150 sous, tu es prêt, là. J'ai dit, demain, vous l'appelez moi, j'en ai 150 sous, tu es prêt. J'ai dit ça, j'ai promis là-bas. Moi, il y en a qui me donnent la main pour les vous. J'ai dit, me donne la main pour les vous, vous ne l'aurez pas. Mm-hmm. J'ai dit, je ne l'aurai pas. Tu vois, je viens le voir, je me suis tendu dans la tête, il faut le soir. Non, j'ai dit à mon frère, c'est plus dur, quoi. Il ne voulait pas s'arranger de rien, c'est vous qui avez ça. C'est la barre, c'est moi qui l'avais acheté. Puis tous les frères avec moi, ils parlaient, c'est marié. Moi, je suis marié, c'est lui qui s'est marié. Bon, le souhait, on ne pourrait pas s'en parler de ça. On ne peut pas. C'est 5 piastres du quintal, puis pas de colle. Pas de pouce, je dis, la plier, là. Et puis ce vache-là, c'est bien vu par les affaires. Il a fait manger la lunette. Il va acheter que je veux la lunette. Mais c'est sûr, là, on n'a pas de danger. Ça fait qu'il m'a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne va pas devant ma terre, en bas, et mouiller là. Vous nous chargez 15 cents. J'ai dit du quintal, pour faire la mourir. Ça, c'est correct. Mais prendre le montant d'argent de la banque canadienne, avec des témoins, comment est-ce que vous en avez payé? Si vous en payez 61 centaux, vous allez avoir payé. Ben, on va vous payer en arrivant. Vous n'avez pas un petit contre moi. Oh, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Puis c'est pas mon bruit. Non, mais la terre, pas que la barre, puis la montée, puis on met des gars, puis on des payeurs. Il y avait une maison dans ça, à trois ou quatre. Je le vois, encore. Ils sont pas chassés. Arrête ça! Ah, il a arrêté, il m'a rien. J'ai dit, M. Canadien, mesdames, j'ai dit, soit 5 piastres du quintal, il ne colle pas. J'ai dit, à moins ça, vous ne l'aurez pas. Vous savez, bargain est fait devant témoin. Mon frère, qui est chez moi, M. Frédéric Albert, M. Bartlett, oui, c'est vrai, on te l'a dit, oui, mais ils n'ont pas fait mieux. Ben, dis-moi, on va tout donner. Dis-le pas aux autres pêcheurs. On dit 13 barges, là, les pêcheurs, tout là. C'est pas mes affaires deuxièmes, ça. Ils m'ont demandé, il faut qu'elle ait raison, j'ai dit, ça faut qu'il me paye en argent tout de suite, lui, ça. Il m'a dit, c'est pour l'amour. Alors, il a payé ses amours, puis il collait avec un des autres. On a dit, là, mon frère était à la balance, j'ai dit, tu vas avoir la balance, là. C'est juste, puis j'ai dit, marche. Dans ce temps-là, quand tu marches, c'est ça, étalé, là. Tu vois, étalé, là. Quatre bords, puis un quoi. Oui, ça fait alors, cinq. Puis quand il est mort, il s'est pas trompé. La compagnie avait un. Puis moi, j'avais mon autre. Ils ont tout payé. La première journée, on a payé 85 sous. Un d'une pile, là. Puis le lendemain, il avait un peu de moins, un peu. On a fait nos 115 sous. Ben, nos 115 sous de mourir à 5 piastres, ça valait la peine. Hein? Alors, ça, c'était vers quelle année, ça? Hein? Ça, c'était vers quelle année, ça? Ben, on va vous dire, j'avais 21 ans. Ouais. On vous dit à peu près, comptez ça. Il y a un an, puis vous avez 95, ouais. Il y a 75 ans. C'est des années 1905-106 à peu près là. C'est ça, ouais. C'est ça. J'avais 21 ans, parce que je suis à l'automne là, je me suis pas marié, je me suis marié qu'à 22 ans. J'ai acheté ma terre, puis j'ai bâti la maison. Voilà. Bon, ben. Vous aviez gagné votre point. J'ai gagné mon point, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Ben, dis-moi donc, dans ce temps-là, à part de la pêche, qu'est-ce qui avait pour gagner la vie de quelqu'un, là? Ben,